Tu cries, tu bouges, tu meurs. Tu te fous de ma gueule. Tu cries, tu bouges, tu meurs. Tu te fous de ma gueule, c'est ça? Écoute-moi bien. J'ai tout mon temps, d'accord? Madame Durieux, je vais vous demander de nous suivre. Et vous aussi, monsieur. C'est hors de question, j'ai pas une minute à moi aujourd'hui. Vous préférez que je vous passe les notes devant vos employés? Madame. Je vais vous dire la vérité. Quand vous aurez fini, j'ai un contrat à vous proposer, avec 10 000 euros à la clé. Je vous jure, elle a dit ça. J'ai jamais vu une femme comme ça. Du coup, moi, je l'ai pas touchée. Et elle m'a tout expliqué. Chez qui je devais aller et à quelle heure. Elle m'a donné la photo et l'adresse de la fille. Et Emma? Je la connais pas, Emma. Je l'ai jamais vue.
c'est de l'argent. Non, monsieur Mongin. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez? On avait fait un deal, on vous a donné une fortune. Peut-être, mais il n'était pas du tout prévu que vous remettiez votre poison dans le circuit 2 ans après votre premier échec. Vous allez donc participer à un nouveau test. C'est vous qui avez tué Vernet? Non, il s'est condamné lui-même. Vous êtes devenu complètement fou. Pourquoi? Parce que je vais vous faire ingurgiter une molécule que vous avez vous-même fait avaler à des dizaines de personnes? Écoutez, savez, je suis prêt à discuter un nouveau contrat avec vous. Demandez-moi ce que vous voulez. D'accord. Alors on va commencer par ça. C'est une pilule anti-sommeil. C'est relativement anodin, beaucoup de gens s'en servent. Allez. Non, 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 non. Allez, faites-moi confiance. Bah, tenez, regardez. Voilà. Vous risquez rien de plus qu'une grosse insomnie. Allez, m'obligez pas à vous forcer. Ça, c'est votre dopaminergique. Bon, là où ça se gâte, évidemment, c'est quand on associe les deux. Allez. Ah non, non, pas question, non, non. Pourtant, vous avez pas hésité à la faire avaler à une jeune fille qui prenait des pilules anti-sommeil. Mais ça, on n'en savait rien. Logique, vous lui avez même pas fait d'analyse de sang. Ça coûte trop cher et ça prend trop de temps. Mais bien sûr que mais si. Mais bien sûr que non, avaler. Non, non, pas question. Je vais vous laisser le même choix qu'à Vernet. Vous avez 10 secondes. Ça va pas, non? Si je vous tire une balle dans la tête, vous avez 100% de chance d'y rester. Avec le comprimier, vous pouvez vous en sortir. Bon, Vernet était fatigué et stressé, vous aurez peut-être plus de chance que lui. Non, mais écoutez-moi, je vous jure qu'on a pris toutes les précautions pour éviter les accidents. Je commence à compter. 10, 9, 8... Arrête, d'accord, d'accord. Je vous conseille vivement de pas tricher. C'est bien. On va respecter votre protocole. Prochaine prise dans 1 heure. Ouais, on a pris rendez-vous la semaine dernière. Oh ! Avant, Jackie. Alexis, remets les sacs dans le coffre, on va faire un plan.